Yop tout le monde, c'est Edro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix de Monaco. Ça y est, on est enfin arrivé au Grand Prix où je peux aller chercher Charles Leclerc. Avant ça, on va passer par le QG parce qu'il va y avoir pas mal de choses avant le Grand Prix de Monaco. Vous allez voir, on va continuer à développer nos infrastructures. Il me reste seulement quelques paliers pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos. Je vous invite à aller les voir. Il me reste seulement quelques petits paliers pour avoir absolument tout débloqué. Et comme vous pouvez le voir, on reçoit enfin les upgrades sur la fiabilité. On va essayer de tout faire le plus rapidement possible. Donc on va se pencher aujourd'hui sur la fiabilité. Quasiment tout est niveau 1 ou 2 maintenant. Encore quelques petites upgrades à faire. Donc normalement on devrait plus avoir de problème. Alors je sais, on va me dire, c'est bête, tu devrais pas développer la fiabilité. Tu devrais essayer de saboter un petit peu, on va dire, les chances de Charles Leclerc avec des problèmes de fiabilité. Mais je préfère, je vous l'ai dit, l'objectif dans cette saison, c'est vraiment d'avoir tout débloqué sur le jeu. Donc je préfère développer tout simplement la fiabilité. Peut-être qu'il aura des problèmes, hein, tout simplement, avec l'usure des pièces ou quoi. Donc là-dessus, c'est pas réel problème, mais je pense pas, honnêtement, vu la fiabilité qu'on a eu en saison 3, je pense pas qu'on aura beaucoup de problèmes durant cette quatrième saison non plus. Et on va enfin se rendre à Monaco. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les derniers épisodes, je vous rappelle, on était en Espagne, c'était mercredi en Espagne, où ça a été un petit peu difficile, honnêtement ça a été un petit peu compliqué. J'ai lu les commentaires et pas mal d'entre vous m'ont dit comme quoi je me plaignais. C'est vrai que je me plaignais beaucoup du fait que Leclerc m'ait ruiné un petit peu la stratégie, mais avec du recul c'est vrai que je l'ai fait énormément de fois à Nick De Vries la saison dernière, et du coup j'ai eu un petit peu, voilà, le retour de bâton, le karma comme on dit tout simplement. Donc on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur la stratégie, faire attention à pas s'arrêter en même temps. Alors ça a été un week-end un petit peu particulier parce qu'on a eu de la pluie aussi pendant la course, on n'en a pas beaucoup eu jusqu'à maintenant, mais on va essayer de différencier et bien se décaler à chaque fois pour pas être bloqué avec Charles Leclerc qui mine de rien pour l'instant fait un très bon début de saison en tête du championnat. Il a, si je me trompe pas, les 6 premières pole positions, pardon. Il me semble qu'il a été en pole à chaque fois. Donc en tout cas, gros début de saison de Charles Leclerc. J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient des difficultés aussi avec des pilotes comme Vettel ou je sais pas, Lewis Hamilton, des trucs comme ça. J'ai vu que pas mal étaient aussi en difficulté contre les coéquipiers. Donc à mon avis, c'est tout simplement que le coéquipier est juste trop fort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais pas baisser la difficulté, je vais pas l'augmenter non plus, clairement. J'ai juste envie de me battre contre Charles Leclerc. On a de loin la meilleure voiture de toute façon. On a de loin la voiture la plus performante, donc personne, que ce soit les Mercedes, les Red Bull, les Ferrari ou quoi, ira nous chercher cette saison. Ça va jouer tout simplement entre Leclerc et moi, et pour l'instant je trouve qu'en vrai le fight est un peu serré. Dites moi dans les commentaires, je trouve qu'on se vaut pour l'instant, c'est pas, il n'y a pas de gros écart à part en qualification. Sur le championnat pilote, en termes de points, c'est pas trop mal. Et il va falloir essayer de prendre la main aujourd'hui à Monaco. C'est le seul, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est l'un des seuls grands prix où je peux prendre la pole position. C'est bien à Monaco. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un moteur extrêmement usé. Alors, je pars dans l'optique d'être dans la première ligne et j'espère en pole position. Donc normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser un moteur trop puissant. On est devant Leclerc pour l'instant. Les éliminer, Russell, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi et Kimi Raikkonen. Donc comme d'habitude, les trois mêmes équipes sont éliminées et ça s'est pas joué à grand chose pour Lance Stroll aussi. Les Racing Point peut-être un petit peu en difficulté à Monaco et on se retrouve en Q2. On va tester les pneus médiums, on va voir si ça passe. Normalement, ça devrait passer. Honnêtement, on a un écart, vous allez voir quand je vais vous montrer les classements, mais on est tellement rapide, que ce soit Leclerc ou moi, on a un gap avec les autres équipes, c'est juste absolument incroyable. On va voir ce que ça donne. Dernier virage, pour l'instant c'est un plutôt bon tour, un petit peu loupé le point de corde dans le dernier virage et sur la ligne, est-ce que ça va suffire pour passer en Q3? Pour l'instant c'est le meilleur tour. Leclerc va passer aussi en pneu médium. Perez éliminé, Kvyat, Ricardo, Sainz, Norris et Lance Stroll, tout ça à moins d'une seconde pour l'instant, et personne d'autre à part moi du coup aura passé des pneus médiums. Donc on va être les deux HRT en pneu médium et on se retrouve en Q3. Ça va très vite et regardez l'avance dans le deuxième secteur, on a 1,7 seconde d'avance sur Verstappen pour l'instant qui était en pôle provisoire. On va voir ce que ça va donner. Il y a quelqu'un à mon avis qui devait battre son chrono. Attention, la petite erreur, attention. Et on va perdre du temps, on va perdre beaucoup de temps. Malheureusement ça va pas suffire. Mick Schumacher va prendre la pole position pour l'instant, 1,096, et on va améliorer, 1,086, c'est 1 seconde plus rapide alors que j'ai fait un quasiment tête à queue, et c'est 1,04 seconde plus lent. Alors là par contre les écarts, on est à 1,04 seconde de Charles. Je pense qu'on peut aller chercher Charles Leclerc là dessus, il n'y a pas de problème, mais il y a tellement d'écart après avec les Mercedes ou quoi. Pour l'instant Gasly est 5ème et on se retrouve en toute fin de Q3. Il faut qu'on aille chercher 1,05 seconde pour battre Charles Leclerc. Il y a au moins, je vous le dis honnêtement, il y a au moins 1 seconde dans le dernier virage, là où j'ai tapé le rail tout simplement. Et pour l'instant on améliore d'un petit 10ème dans le deuxième secteur. Attention, on va peut-être avoir un petit peu de trafic. On a un 10ème de retard sur Charles Leclerc pour l'instant. Là où je peux vraiment gagner du temps, c'est dans le troisième secteur à mon avis. Le deuxième et le troisième. Le premier, mine de rien, avec le moteur que j'ai, il y a une longue montée et c'est pas vraiment facile avec le moteur usé. J'espère que Schumacher va pas me gêner par contre. Allez, reste encore 38 secondes.
Ah, l'aspiration, est-ce qu'on peut encore tenter? Non, on est un peu loin pour l'aspiration à mon avis. On revient à 2 dixièmes. On fait un tour on-board. Les tours sont très rapides à Monaco. Du coup, je m'étais dit, attention à la petite correction, qu'on allait quand même faire un tour on-board. C'est le dernier de la qualification. On va améliorer, j'espère, le deuxième secteur. Et pour l'instant, on est toujours à 1 dixième de Charles Leclerc. Donc là, c'est pas suffisant, mais on va être bloqué. On va être bloqué par Mick Schumacher. Oh non, mais c'est une blague. C'est une blague. Le seul. Mais regardez-moi ça, mais il troll. Non, mais là, c'est fait exprès. Là. On est d'accord que c'est fait exprès. On est d'accord que là c'est totalement fait exprès. Il aurait pu se décaler 36 000 fois et forcément on va pas pouvoir. Et en plus, non mais en plus il fait ça. Mais en plus, non mais le troll ultime Schumacher. Non mais sérieusement quoi, il a ruiné son propre tour pour me bloquer. Bon, il est troisième en plus. Et du coup Charles Leclerc en pole. Oh, j'ai le seum de ouf. J'ai le seum de ouf, c'était le seul circuit où je pouvais aller chercher Charles Leclerc, où j'avais le rythme pour battre Leclerc, et je suis bloqué par Mick Schumacher, qui d'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour améliorer, il est devant Albon et Lewis Hamilton, ça aussi c'est un petit peu la surprise, et du coup, on va partir deuxième. Bon, deuxième c'est pas catastrophique, ça reste la première ligne, mais c'est vrai que là pour le coup, je tenais ma première pole, mais c'est pas grave, là, le mal est fait comme on dit, et on part tout de suite pour le Grand Prix de Monaco. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et Julien complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Schumacher, Albon, Lewis Hamilton et Gasly, De Vries, Ocon, Vettel et Max Verstappen, Perez, Kvyat, Daniel Ricciardo et Sainz, Norris, Stroll, George Russell et Kevin Magnussen. Grosjean, Giovinazzi, Latifi et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. On se retrouve du coup sur la grille en deuxième position. Alors on est l'un des rares avec Charles Leclerc à partir en pneu médium dans le top 10. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, dans tous les cas, que tu partes en pneu tendre ou en pneu médium, tu peux tenter un seul arrêt. Nous on va du coup faire des pneus médiums et on verra en fonction peut-être d'une safety car si on s'arrête pour mettre des pneus tendres ou pas. En fait la question c'est de savoir, est-ce que je pousse un peu plus loin pour aller mettre des pneus tendres et être plus rapide en fin de course, ou alors est-ce qu'on s'arrête et on met des pneus hard et on respecte tout simplement la stratégie que Leclerc a à mon avis va faire aussi. Donc on va surveiller ça, on va surveiller la petite bataille bien évidemment stratégique avec Charles Leclerc derrière. Je pense que vraiment on va voir hein, mais je me doute qu'il n'y aura pas vraiment de bataille depuis le début de la saison. Les Mercedes sont pas forcément au niveau. Je rappelle, il y a toujours cette hiérarchie où on est loin devant Mercedes. Mercedes a eux aussi un petit gap on va dire sur le midfield. Et après le midfield par contre entre Ferrari, Red Bull, AlphaTauri etc, c'est hyper serré entre eux. Mais pour la tête du Grand Prix, il n'y a pas de grosses surprises. Alors je sais, il y en a beaucoup qui sont déçus dans les commentaires. J'ai vu, bon malheureusement j'y peux pas grand chose. C'est comme la vraie F1 tout simplement. C'est les meilleurs qui sont devant et pour l'instant les meilleurs tout simplement c'est notre équipe. Donc il va falloir faire avec jusqu'à la fin de la saison. On verra s'il y a un changement de réglementation, on verra si ça change un petit peu d'ici la fin de la saison. Peut-être qu'une équipe va remonter aussi en termes de performance, peut-être que d'autres équipes vont redévelopper. En tout cas aujourd'hui on est devant, on a la meilleure stratégie. Normalement c'est censé, si on fait pas l'accrochage, si on fait pas d'erreur avec Charles Leclerc, c'est censé être un doublé. On s'installe sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. Le reste de la grille se met en formation, concentre-toi. Et c'est parti, le départ compliqué là, Leclerc qui a fait un bon départ aussi. Attention derrière directement, on va protéger sur Mick Schumacher qui va peut-être tenter au premier virage. Attention, forcément ce premier virage, les deux Mercedes côte à côte, Hamilton qui va perdre des positions, Albon qui va passer. Et nous on reste deuxième pour l'instant. Leclerc a fait un plutôt bon départ, ça s'écarte. Attention, Gasly derrière qui va tenter par l'extérieur avec Nick De Vries. Ça va tenter côte à côte les deux Ferrari. Attention, Pierre Gasly qui va s'imposer. Le dépassement du Français qui passe sixième du coup. Attention parce que là on va avoir un drapeau jaune hein. Il va y avoir des drapeaux jaunes forcément, les points comme toujours. Ça va bloquer un petit peu et attention à ne pas casser d'aileron. Allez, ça va arriver dans quelques secondes. Nous on est passé avec Leclerc, tout va bien. Maintenant il va falloir s'accrocher aussi à Charles Leclerc. Le voilà, le drapeau jaune. Alors est-ce qu'on va avoir de la casse, est-ce qu'il va y avoir peut-être un abandon? Non, drapeau vert pour l'instant, ça repart. Et maintenant il va falloir s'accrocher et on commence déjà un petit peu. Alors derrière Schumacher qui a gagné sa troisième position, Albon toujours quatrième devant Hamilton. Malgré les petits dive bombs, et on va revoir les départs pour voir ce qui s'est passé. Malgré les petits dive bombs, il n'y a pas eu trop de positions changées. Et maintenant il va falloir voir ce que ça va donner avec le rythme de Charles. Ça va être ça vraiment l'indicateur, c'est de voir si Charles est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide. Attention à la petite correction parce que derrière comment on commence déjà à mettre une petite distance à Mick Schumacher. Comme à chaque Grand Prix, à chaque début de course, on est toujours un petit peu plus rapide que les Mercedes. Oh, il y a eu de la casse à mon avis derrière, il y a une Renault qui bloque, il y a beaucoup beaucoup de temps là. Beaucoup de temps perdu par la Renault. Il y a peut-être eu un petit problème. Alors on termine ce premier tour, toujours deuxième pour l'instant, juste derrière Charles Leclerc et on va revoir les départs. Alors Leclerc a fait un plutôt bon départ, moi aussi pour le coup je suis directement allé protéger
l'attaque de Mick Schumacher. Alors Leclerc qui va aller directement protéger, moi aussi je vais à l'intérieur. Et derrière, alors on voit Hamilton avec Albon, De Vries qui va tenter sur Gasly. Et Nick De Vries, est-ce que c'est passé? Et non, du coup on l'a vu, c'est pas passé côte à côte. Alors je me demande si Gasly par contre partait pas devant Nick De Vries, et si c'est pas Nick De Vries qui a tenté un petit dive bomb tout simplement. Alors on va voir, il partait bien derrière hein, Nick De Vries, il était P7, Gasly était donc P6 de base. Ah, il s'est un petit peu loupé là Pierre Gasly. Un petit mauvais départ. J'ai l'impression en fait que tous ceux qui sont partis à droite ont fait un plutôt bon départ hein. Leclerc, Schumacher, Hamilton. Non, honnêtement, il n'y a pas eu de mauvaise surprise en partant à droite. Par contre, après l'arrivée au casino, un peu plus compliqué pour le Néerlandais. On revoit le départ embarqué de Lewis Hamilton. Hamilton qui n'a pas réussi à doubler la Red Bull. Et en fait, Albon qui a fait exactement pareil, qui a essayé un petit peu comme moi de directement venir protéger, de bloquer un petit peu l'intérieur au premier virage. Sauf qu'à leur accélération, elle était bien mieux positionnée. Et on se retrouve à la fin du deuxième tour. Et regardez, on améliore le meilleur tour en course. Une 10.4 pour l'instant. On est juste derrière Charles Leclerc et le DRS va être activé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir attaquer. Et par contre, derrière la Mercedes de Schumacher là, qui perd du temps à 3 secondes 4. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont en pneus tendres. Donc les pneus tendres vont s'user encore plus vite. Regardez l'écart qui est déjà en train de se former en 4 tours. On a déjà 6 secondes, quasiment 7 secondes d'écart. Et nous, on est collé à Charles Leclerc. Alors maintenant, les gars, on va pas se mentir hein. La vidéo va être courte, ça va être très très long. Il va falloir trouver l'opportunité pour passer sur Charles Leclerc. Et ça va être la grosse difficulté de cette vidéo. Il va falloir trouver le bon moment pour dépasser. Et attention à ne pas trop user les pneus non plus, ne pas les faire surchauffer. On avait vu en Espagne la surchauffe du pneu avant gauche qui avait un petit peu causé problème. Alors je sais qu'il faut ajuster les pressions pour régler la surchauffe, mais là pour le coup en général les pneus à Monaco ne surchauffent pas du tout. Et au 8ème tour on est toujours collé à Charles Leclerc. On améliore le 3ème secteur, ça bouge pas. Et regardez en 8 tours 15 secondes d'écart avec Mick Schumacher. Alors là c'est la punition hein. Honnêtement là c'est la punition pour les Mercedes et pour le reste du field. On est clairement dans une autre galaxie avec Charles Leclerc. Et je suis collé. Alors vous l'avez remarqué en ligne droite on perd un petit peu. Sur la remontée dans le premier secteur on perd un petit peu de temps. Dans le deuxième et dans le troisième je me rapproche. Et après on recommence le tour. Et c'est là où je perds du temps, c'est pareil sous le tunnel. Je perds toujours 2-3 dixièmes environ. Et c'est difficile parce que du coup j'ai beau aller faire un freinage tardif, bah je suis toujours un petit peu trop loin pour essayer d'attaquer. Et au pire il faudra que je tente genre à la rascasse ou au premier virage essayer de faire un petit dive bomb ou quoi. Mais c'est un peu risqué du coup. Et déjà 10 tours hein. Déjà 10 tours qu'on suit Charles Leclerc. On est toujours bloqué pour l'instant en deuxième position. Par contre on a déjà la pit window d'ouvert. On peut déjà rentrer au stand en ne perdant aucune place tellement que Schumacher est loin. Il est déjà à 21 secondes. Allez DRS activé une nouvelle fois. L'essence qui tombe aussi, hein. L'essence tombe très très vite. On est déjà de retour à 0,36 tours. Il me semble qu'on était parti avec 0,80 de mémoire. Et on est toujours un bloqué derrière Charles Leclerc pardon, pour l'instant. Ça bouge pas, les pneus médium qui tiennent d'ailleurs pour l'instant. On n'a pas de problème de pneus donc on va pouvoir aller loin. On va pouvoir aller loin. Et Schumacher qui rentre au stand, ça commence à rentrer au stand au 12ème tour. Alors Schumacher qui s'arrête pour mettre des pneus médium, je pense que ça va pas être le seul à rentrer au stand. On va surveiller ce que ça va donner. Donc Schumacher qui rentre déjà pour mettre des pneus médiums. Ça veut dire qu'il y a encore 20 tours, plus de 20 tours même, 27 tours. 27 tours à faire avec ces pneus médiums. Ça va être long, hein. Ça va être très très long pour Mick Schumacher. Honnêtement, ça m'arrête très très tôt. À mon avis, on tente un petit pari. Et au 14ème tour, toujours derrière Charles Leclerc pour l'instant. On continue la poursuite, les gars. On continue l'attaque maximum. Pas droit à l'erreur. Et regardez, tout le monde s'est arrêté derrière Lewis Hamilton, Alexander Albon, Vettel, les Ferrari, tout ça, c'est rentré au stand. Et maintenant, il reste seulement les pilotes qui sont partis en pneu médium. Donc, c'est Perez, Ricciardo et Kvyat qui complètent le top 5. Et ils sont à 40 secondes, vous vous rendez compte? 40 secondes d'écart pour l'instant avec le midfield. Et on est qu'au 15ème tour hein. On est seulement au 15ème tour. Je pense que là honnêtement notre voiture est largement meilleure que la Mercedes de cette année. Et on revient même au 17ème tour. On revient sur le trafic des pilotes qui se sont arrêtés, Verstappen et compagnie, ceux qui sont déjà rentrés au stand. On est en train de les rattraper. Alors ça aussi hein, on en a pas parlé. On est au 18ème tour pardon. On est censé rentrer dans 2 tours. Et on va avoir du trafic, ça aussi c'est l'un des risques aussi sur Monaco, faites attention à bien rentrer au stand au bon moment. Et en vrai, est-ce qu'on rentrerait pas au stand à la fin de ce tour pour éviter le trafic? Parce que là, regardez, ça va être compliqué. La Red Bull Verstappen qui va s'écarter. On va pouvoir passer sans problème. Le prochain, c'est Esteban Ocon. Alors, ils sont tous bloqués par les As et les Alpha. Mais regardez, on a. Ouais, il me semble que c'était Vettel. Hein. Il me semble que c'est Vettel qui est derrière l'As pour l'instant. Peut-être qu'on peut dépasser par l'extérieur ici. Peut-être l'opportunité. Attention à ne pas s'accrocher non plus. Ouais, c'est difficile, hein. C'est difficile le trafic à Monaco. Il faut être patient. Il faut pas trop en faire. Il faut tout simplement attendre que les pilotes se décalent. Et on va peut-être rentrer au stand en vrai. On est censé rentrer dans 2 tours. À mon avis, il va rentrer au prochain tour Charles Leclerc. Alors, est-ce qu'il va pouvoir passer sur Ocon? Alors, accélération Ocon qui va forcément aussi se battre pour ses positions à Ocon. Là, il fait sa course, donc c'est un petit peu compliqué.
Nous, on va rentrer à la fin de ce tour. Vous savez quoi? Parce que si je suis censé rentrer au 20e, c'est que Leclerc rentre soit au 19e, soit au 21e. Donc, on va pas prendre de risque. On va tenter l'undercut. Alors, je sais que normalement, le premier pilote. Oh là là, c'est n'importe quoi. Attention, Esteban Ocon, qui est pas très bien positionné. C'est n'importe quoi avec le trafic. On rentre au stand et on va tenter l'undercut. Alors, est-ce que... Parce que là, honnêtement, il y a beaucoup de trafic. Et Leclerc va perdre beaucoup de temps. On va perdre beaucoup, beaucoup de temps à rester bloqué derrière le trafic. On va passer les pneus durs. Du coup, malheureusement, on pourra pas tenter les médiums tendres. Et on va aller, commande, on va ressortir. Bon, on va ressortir deuxième, hein. Pas de suspense là-dessus. Pas de suspense, les gars. On va ressortir loin devant Perez. On va ressortir, par contre, loin derrière Leclerc. On ressort à 19 secondes quasiment, ouais, 19 secondes 5. Il va falloir pousser maintenant. Il va falloir attaquer au maximum pour essayer de revenir et voir si l'undercut peut fonctionner. Parce que Leclerc, à mon avis, va rentrer au stand directement. Charles Leclerc qui va vouloir me couvrir. Regardez, il est encore bloqué, Leclerc. Il a encore du trafic, hein, là. Donc Leclerc perd beaucoup, beaucoup de temps. Il rentre au stand. Il va rentrer. Je l'avais vu juste. Il rentre au 19e tour, du coup, le Monégasque. Et est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va pouvoir ressortir devant Leclerc? La réponse dans quelques secondes. Nous, on doit être dans le 3ème secteur normalement. Et regardez, on arrive, on le voit. Il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus, Charles Leclerc. Là, c'est la tête du grand. Il y a peut-être une possibilité de dépasser. Deep Nerd pour Leclerc, on a la même stratégie, pas de surprise. Et il ressort, est-ce qu'il ressort devant? On va arriver sur la ligne, et non, regardez, on va passer, on passe sur Charles Leclerc, c'est fait. L'undercut a fonctionné, il aura fallu d'un tour. Un tour dans le trafic, ça aura suffi. Et au 20e tour, on prend la tête du Grand Prix à Monaco. Alors je vous l'ai dit, hein, dépasser sur la ligne droite, ça aurait été très très compliqué. Et là, c'était vraiment ma seule chance. Alors oui, la stratégie du coup va être un peu moins rapide. Maintenant, on est hard, mais au moins, on est passé sur Charles Leclerc. Et au 22e tour maintenant, alors Leclerc est à une seconde, il est à peu près à une seconde. Donc il va pouvoir utiliser le DRS aussi pour revenir. Et nous, on va avoir du trafic. Maintenant, ça va être à nous aussi de gérer le trafic, hein. La course n'est pas finie, on n'est qu'à la moitié de la course. Pour l'instant, Leclerc a été en tête de la première moitié. J'aimerais bien être en tête jusqu'à la fin. J'aimerais bien faire la deuxième moitié. Et derrière, regardez Stroll, Schumacher, 40 secondes d'écart. Et d'ailleurs, je me demande si Schumacher ne doit pas re-rentrer au stand vu qu'il est passé en pneu médium. Alors Stroll est dans les stands justement, il était parti en pneu jaune. Il va passer les pneus blancs à mon avis maintenant. Quoique non, en vrai il reste 15 tours à peu près, 17 tours pardon, il va peut-être passer les pneus tendres, il va peut-être passer les pneus rouges. Voilà, tous les cas, l'écart est grotesque et on revient maintenant sur Esteban Ocon. Alors on va lancer un pari les gars, qui est capable de deviner combien de voitures on va mettre, enfin combien de voitures on va mettre à un tour aujourd'hui. On en a déjà 3-4 je crois, Ocon est 18ème si je me trompe pas. Et derrière Leclerc qui arrive pas forcément, et ouais Leclerc à 3 secondes pour l'instant, Leclerc qui est pas dans le rythme. On l'avait vu déjà en qualification, j'étais plus rapide que Leclerc, même en course, hein. C'est juste que je pouvais pas dépasser en ligne droite, mais sinon, j'étais plus rapide que Charles Leclerc, et on va passer sur Esteban Ocon. Alors, ça fait déjà 4 voitures de doublé, et le prochain, ça va être Nicolas Latifi. Alors, pour le coup, si j'arrive à bien gérer le trafic, normalement, c'est une easy win. Hein. Là, pour le coup, il y a très peu de chances qu'on n'arrive pas à remporter ce Grand Prix, à moins d'une safety car et que Leclerc revienne me faire un dive-bomb, ou alors que Latifi me mette dans le mur. Allez, on va essayer de passer. Latifi, ne fais pas d'erreur, s'il te plaît. Voilà, écarte-toi gentiment, merci. On passe, et Leclerc derrière qui doit aussi passer le trafic. Il n'y est pas encore, pour l'instant, il est à 2 secondes 7. Il revient un petit peu, j'ai perdu un petit peu de temps, mine de rien, avec le trafic. Lui aussi, de toute façon, il va en perdre avec la Renault et la Williams. Et moi, je vais en reperdre maintenant avec Verstappen aussi. Verstappen et Stroll, Verstappen est 16ème. 16ème Max Verstappen pour l'instant, alors qu'il reste moins de... Non, il reste un peu plus de 10 tours, pardon. On est au 27ème tour. Et Verstappen fait un très très mauvais Grand Prix pour l'instant. Albon est 4ème, Gasly est 5ème. C'est la catastrophe pour Verstappen. Alors là, je sais pas si c'est sa stratégie qui a été ratée ou quoi. En tout cas, il est très très loin. Et on va essayer de passer sur Lance Stroll. Attention, oh là là là, Lance Stroll, abuse pas, gros. Il est malade ce type. Le pire endroit pour laisser passer, Lance Stroll l'a choisi. C'est bon. C'est... Ah, et drapeau jaune, attention. Drapeau jaune, drapeau jaune dans le premier secteur. C'est l'Alfa Romeo. C'est l'Alfa Romeo, c'est Raikkonen, je crois. Il me semble que c'est... Ah oui, c'est Kimi. C'est Kimi Raikkonen qui a un problème. Est-ce qu'il a une crevaison? Non, pas de crevaison pour l'instant. Je pense que c'est un problème mécanique. Attention, peut-être la safety car à 10 tours de la fin. Ah non, s'il y a une safety car, ça va totalement... Oh non, Raikkonen, elle abandonne la safety car. La safety car à Monaco. Oh, si Leclerc rentre au stand. Si Leclerc rentre... Non, c'est bon. C'est bon, Leclerc n'est pas rentré au stand. Bon, au moins on reste sur des pneus hard. De toute façon, j'ai pas eu le temps. Derrière Schumacher, Albon, Gasly vont tous avoir un free stop. Eh, ils sont pas rentrés. Non, non, ils sont pas rentrés, pardon. Ils sont pas rentrés, ils sont toujours en pneu médium. Et la safety car va s'effacer. Il reste encore 8 tours. 8 tours à faire. Mais l'avantage, regardez la minima pour l'instant. On est totalement mélangé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont à un tour n'ont pas eu le temps de reprendre leur tour. Donc là, ça veut dire que sur la piste, pour l'instant, Charles Leclerc, il est 4 positions derrière. Et c'est pareil. Schumacher, il est 9 ou 10 places derrière. Donc là, ça va être n'importe quoi. À la relance, il va falloir surveiller Leclerc. Attention, parce que ne pas aussi s'accrocher, hein, ne pas faire l'accident. Charles Leclerc, il faut qu'il ramène des points pour le constructeur.
Alors le voilà, Leclerc il est deuxième, mais regardez, voilà, il va passer sur Verstappen. Il va avoir pas mal de voitures à dépasser dans le prochain tour. Et moi ça va me permettre pendant ce temps là de m'évader tout simplement et de me protéger. Attention quand même à la Williams qui va essayer de revenir là. Je sais pas si c'est Russell ou Latifi, bah de mémoire c'était Latifi je crois. Latifi qui va peut-être tenter. Ah il a du travail, hein. ça s'écarte de tous les côtés. Stroll qui va le laisser passer aussi. Il va même mettre un tour à une Ferrari. Je sais pas si c'est Vettel ou De Vries, mais là on a mis un tour à l'une des Ferrari. Allez, j'ai l'impression que c'est De Vries, hein. Il me semble que c'est Nick De Vries, mon ancien coéquipier, qui va prendre un tour. Alors ça c'est dur, hein. Ça c'est très très dur pour les Ferrari. Allez, il va s'écarter à mon avis. Allez, ça passe pour Charles Leclerc. Leclerc toujours deuxième, mais il revient, mine de rien, il n'y a plus que la Williams qui nous sépare maintenant. Et regardez, Schumacher est déjà à 8 secondes. Malheureusement, le pari pour voir combien de voitures sera un tour tombe à l'eau. Parce que là, je pense que honnêtement, sans la safety car, on aurait pu mettre au moins 10 voire 15 pilotes à un tour. C'était facilement faisable. Bon, maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. Il reste encore 7 tours. Eh, mine de rien aussi, Leclerc est revenu, hein. Leclerc était à 3 secondes, maintenant il est à 1 seconde 7. 1 seconde 7, alors il va peut-être être un petit peu gêné par la Williams. Est-ce qu'elle va s'écarter? Ouais, elle va s'écarter en ligne droite à mon avis. Il va pas être gêné longtemps. Et ça va passer pour Charles Leclerc qui va récupérer enfin sur la piste la deuxième position. Et attention, il reste encore 7 tours. 7 tours à faire, attention parce que Leclerc peut revenir, hein, et il peut me dépasser vu la vitesse de pointe qu'il avait. Charles Leclerc a clairement le rythme pour me repasser. Et au 35e tour, allez, reste encore 4 tours à faire. 1 seconde 7 d'avance, on a perdu un petit peu de temps. Derrière Schumacher, Albon, Gasly sont trop loin. Eh, peut-être que Gasly peut encore aller chercher un podium, hein. Peut-être que Gasly peut remonter sur le podium back to back. Ah, il va falloir surveiller. Schumacher pour l'instant est toujours sur le podium. Eh, Leclerc à 2 secondes. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. Il va falloir tenir. Normalement, ça devrait le faire. On devrait plus avoir de trafic, ça c'est sûr. On devrait plus avoir de personnes à doubler. Et il suffit juste d'éviter les rails maintenant tout simplement et de ne pas perdre trop de rythme. Et regardez au 38e tour, il est en train de revenir. Attention à la petite erreur, accélération à la sortie du premier virage, la petite erreur et Leclerc qui revient. Leclerc qui revient à 3/4e. Attention, il reste encore 2 tours à finir et Leclerc qui pourrait peut-être tenter dans le dernier tour un dépassement. Va falloir se méfier, ah, le moteur est détruit, hein. Dernier tour à Monaco. Le moteur est bon pour mettre à la poubelle. Sachez qu'à partir du prochain Grand Prix qui sera lundi, on changera de moteur. Alors, est-ce que Leclerc va pouvoir tenter? Il lui reste en vrai 2 zones. Il lui reste le tunnel et après à la rascasse. Et j'ai jamais vu un IA tenter à la rascasse. Donc, ça va sûrement se faire au tunnel. Ah, il va falloir utiliser toute la batterie. Hein. Il va falloir utiliser toute la batterie. En tout cas, ça aura été une course totalement dominée par notre équipe. Vraiment, alors là, on a été dans une autre galaxie. Regardez, on a remis 20 secondes à Schumacher. On a remis 20 secondes à Schumi en l'espace de moins de 10 tours. Eh, Leclerc qui va pas pouvoir passer, ça va être une victoire, on va s'imposer. Ça n'a pas été si facile, honnêtement, heureusement qu'on a eu le bon réflexe de rentrer au stand. Mais ça n'a pas été si facile, mine de rien, en partant deuxième. Ça va être une belle victoire et du coup, ça va être la 4e cette saison. On reprend l'avantage, alors peut-être pas au classement pilote, par contre, je sais pas les écarts entre nous deux. Mais en termes de victoire, c'est sûr qu'on va remporter une 4e course cette saison. Leclerc était à 3 et le dernier virage c'est fait. La victoire à Monaco et celle-ci, elle va faire du bien, honnêtement. On n'a pas eu la pole, on n'a toujours pas de pole position cette année, mais au moins on remporte les 26 points. D'ailleurs, on a le meilleur tour en course, donc ça, c'est un très très bon résultat et il va falloir continuer là-dessus. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations, mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Voici les 3 premiers qui avancent vers le podium. Bravo à eux, car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle. Le doublé du coup de HRT devant Mick Schumacher, Albon et Gasly. Donc ça n'a pas trop bougé honnêtement. Hamilton a perdu une position. Vettel derrière est bien remonté. Perez, Ricciardo et Kvyat. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements. Il n'y a pas eu de changement en vrai. D'habitude il y a toujours un peu des petits faits dans le midfield ou quoi. Mais là pas grand chose honnêtement. Même pour devant. Alors honnêtement vu le rythme qu'on avait avec la HRT, nous on va être imbattable, hein. Et dites-vous qu'on n'a pas encore débloqué toute la voiture. Une fois qu'on aura tout développé, ça va être incroyable. Et si on descend tout en bas, on retrouve le seul abandon du coup
Raikkonen, derrière les Renault, compliqué. Verstappen aussi, très mauvaise course pour Max Verstappen. Au classement pilote, on revient à 9 points seulement de Charles Leclerc, donc on est toujours deuxième, devant Lewis Hamilton et Schumacher, qui eux n'ont que 4 points qui les séparent. Donc mine de rien, il y a deux petites batailles, Verstappen, Gasly à moins de 10 points, Albon, Sainz, Perez, Vettel, ça ne bouge pas pour le top 10, du coup, en dessous non plus, ça ne bouge pas, il n'y a pas de changement, et au constructeur, on est toujours en tête devant Mercedes, bien évidemment, ça bouge derrière. Alors, AlphaTauri, il me semble, était déjà passé devant Ferrari, mais c'est McLaren, peut-être, qui a perdu une position. AlphaTauri, du coup, 4e, juste derrière Red Bull, maintenant, Ferrari 5e, McLaren 6e, et Haas reprend, mais pareil, il me semble que Haas était déjà devant Williams et Alfa Romeo, de mémoire, les deux équipes qui ont 2 points, donc ça, ça n'a pas bougé là-dessus, et le classement constructeur, honnêtement, on a déjà 100 points d'avance après seulement cette course. Bon, voilà, hein, l'objectif... Je pense que l'objectif, il va être facile cette saison, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de difficulté vu la voiture qu'on a. J'ai hâte d'une chose, les gars, vraiment, c'est de tout développer d'un coup, parce que je pense que je vais essayer de développer toute la fiabilité et après toute la performance, j'y achèterai tout d'un coup pour voir le bon qu'on va faire en termes de performance. Un nouveau sponsor, on va renouveler directement. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, il renouvelle les sponsors parce qu'il a la flemme de refaire les livrets. Exactement, exactement, pas envie de refaire les livrets, les gars, et en plus, les sponsors sont très bien, donc pas besoin de changer. Et on s'arrête là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un pouce bleu et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dès lundi à 17h30 pour le Grand Prix de Bakou. Là ça va être plus compliqué, là ça va être beaucoup plus difficile à mon avis. En attendant, passez un bon week-end et faites attention à vous, portez-vous bien, ciao ciao.